besoin d'être toujours enseigné par l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui nous conduit de victoire en victoire, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Amen. Amen. C'est l'humilité. J'ai vu des gens être au début humbles et devenir arrogants et ils ont été brisés. Ça, c'est un enseignement pour moi. Alléluia, de toujours demeurer sous la main du Seigneur. Alléluia. Et mes aînés me l'ont appris. J'étais adolescente, j'ai entendu. Même vous voyez l'homme de Dieu qui est devenu mon époux aujourd'hui. Je n'oublierai jamais qu'un prédicateur qui m'a beaucoup encadré dans mon adolescence qui m'a dit ceci. Si le serviteur de Dieu s'approche de toi, se rapproche de toi, s'il te donne le doigt, tiens-toi au doigt, pas au bras. Il a essayé plusieurs fois le bras. Moi, j'ai dit, je reste au doigt. Alléluia. Discipline, pas de familiarité. Alléluia. On rigole bien, mais toujours le respect pour que l'Esprit de Dieu puisse m'enseigner et puisse faire de moi aussi une source de bénédiction pour lui. Très important. Alléluia. Amen. Amen. Tout ça aussi, c'est une manière de nous consolider à être patient dans notre marche avec le Seigneur. Vous voyez certains courir à, je vais parler de manière symbolique, à 80 km/h sans compagnie de voiture. Il y en a qui foncent avec Jésus. Il y en a qui vont vite, on voit qu'ils sont zélés. Il y en a d'autres qui vont à une allure modérée. Alléluia. N'enviez personne. Ne vous comparez à personne. L'essentiel, c'est d'achever la course. Si à un moment donné, tu commences à faiblir, tu marches trop doucement, eh bien, il y en a qui sont là pour te pousser. Ne sois pas fâché, ne sois pas triste. Alléluia. Assieds-toi, reviens au Seigneur, demande-lui de t'aider, de soutenir, afin que tu continues d'avancer. Amen. Amen. Nous allons prendre ensemble Jacques, chapitre 1. La patience dans les promesses du Seigneur. La parole de Dieu regorge de promesses. Il y a des promesses spécifiques, des promesses particulières que Dieu t'a faites. Dieu veut nous encourager, Dieu veut t'encourager, Dieu veut m'encourager à demeurer dans la patience, à nous armer de patience pour vivre l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Quelqu'un peut dire avec moi que c'est possible. Amen. C'est possible. C'est possible d'être patient. C'est possible de développer cette patience pour vivre l'accomplissement des promesses de mon Dieu dans ma vie. Il est mon Père, il est ton Père. Nous ne sommes pas orphelins. Il nous l'a promis. Il ne nous laissera pas seuls. Jamais il ne nous délaissera. Il sera toujours avec nous et cela jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Peu importe les tribulations que nous voyons autour de nous et même dans nos vies. Alléluia. Tenons-nous-en à ses promesses. Amen. Il est un Dieu fidèle et un Dieu souverain. Que nous dit Jacques chapitre 1 à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Regardez comme un sujet de joie complète. Sommes-nous vraiment dans la joie quand nous voyons des situations difficiles arriver dans nos vies? Parfois, elle concerne des personnes qui nous sont chères et on compatit. Donc, c'est comme si c'était nous-mêmes qui étions impactés. Alléluia. Nous, la chair aura des désirs contraires à ceux de l'esprit. Comme la parole de Dieu de notre esprit va nous dire de nous réjouir, la chair va nous pousser dans l'abattement, dans la tristesse, peut-être même dans l'irritation, dans la colère. Nous sommes fâchés. Nous sommes fâchés, nous sommes tristes parce que nous ne contrôlons rien. Nous ne maîtrisons rien. Donc, la chair, elle a déjà une réaction contraire à ce que l'Esprit veut nous communiquer. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, regardez comme un sujet de joie complète. C'est-à-dire que face à l'épreuve,
Si au début je panique, mais à un moment donné la parole de Dieu doit marteler mon esprit et me dire qu'il y a un but dans l'épreuve. L'épreuve ne doit pas être considérée comme une fatalité, mais bien comme un enseignement, un cap. Je dois traverser un cap. Je dois apprendre quelque chose de Dieu, au sujet de Dieu. Je dois apprendre quelque chose sur moi-même. Et si cela implique d'autres personnes, mon prochain, je dois apprendre aussi quelque chose sur ma relation avec les autres. Alléluia. Parce que nous vivons pour Dieu et les autres. Alléluia. Tu vas développer une relation avec Dieu pour être une source de bénédiction, un canal. Alléluia. Pour les autres. Et nous avons besoin les uns des autres. Il y en a qui ont été blessés, il y en a qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, qui les ont fermés, ils ont peur d'aller vers l'autre. Mais le Seigneur est là pour guérir. Considéré comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien aimé, autrement dit, il y a un cycle. Il y a un cycle de situations difficiles par lesquelles nous allons tous passer. Et jusqu'au retour de Jésus. Il faut se dire un moment que tu n'aies plus peur de vivre des situations difficiles. Ce n'est pas agréable. N'est-ce pas? Ce n'est pas agréable. Ce n'est agréable pour personne. Mais le Seigneur veut que nous passions pour que justement nous puissions développer la patience. Et beaucoup de ceux qui nous ont précédés, alléluia, ont pu expérimenter cette patience et être pour nous véritablement des modèles. Si je parle d'Abraham, chacun va se retrouver. Amen. Et quand je parle d'Abraham, ça me renvoie à moi. Alléluia, ça me renvoie à moi quelque part. Vous avez vu, il parle de jeune fille et tout. L'onction rajeunit, ça c'est vrai. Mais j'ai déjà mon âge, bien-aimé. Je n'ai plus 20 ans. Ni 30 ans. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, même dans le mariage, je rentre. Ni 40 ans. Je rentre pour le monde tard. Il y en a qui me disent, mais tard, ça n'existe pas. Ça, c'est pour les gens matures. Pour les gens immatures, c'est tard. Je rentre dans le mariage tard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi l'épreuve. Alléluia. Il y a eu des candidats. Il y a eu des lourds ravisseurs depuis très jeune. Hein. Dès, je me rappelle, 2-3 ans après ma conversion, j'étais dans une cellule de prière et j'étais harcelée par un frère. Il était dans une obsession hein, que c'est toi, Dieu a dit que c'est toi. Au nom de Jésus. J'ai justement dit dans mon cœur que je ne pense pas que ce soit Dieu. Alléluia. Moi, je viens d'arriver et le Seigneur doit me consolider, me façonner avant pour que je rentre dans sa bénédiction. Amen. C'est transformé en harcèlement pendant des années. J'ai dû jeûner, prier, tailler en pièces, renverser. Je vous épargne des choses pour ne pas trop vous choquer. Mais c'est pour ça qu'il dit, qu'il reconnaît que le Seigneur m'a fortifié. Amen. Parce que j'aurais pu abandonner, c'est vrai. Vous venez à l'église, vous vous dites, je vais pour la paix, et vous êtes challengé comme ça. Non stop. Alléluia. Aidez-nous, ravisseurs. Alléluia. Je vous dis qu'il y a des gens même qui prêchent la parole, qui ont essayé. Ah, oui. Alléluia. Il a fallu à chaque fois retourner à Dieu. Retourne à l'Éternel qui aura pitié de toi. Retourne à l'Éternel qui aura compassion de toi. Alléluia. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et là, je pense, alors, ça fait deux ans que nous avons eu, que la pandémie s'est déclarée. Donc, je crois bien 2 ans avant, on a reçu en Guadeloupe Martin Carrière. Je reviens sur Abraham parce que c'est vraiment une révélation que Dieu m'a donnée. En supplément. Parce que, à mes 25 ans, il y a un pasteur qui avait prophétisé pour mon mariage. Et c'est après que toutes les turbulences ont commencé. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, on m'a fatigué. Voilà. Alléluia. Chaque fois, il y a quelque chose qui est bizarre. Vous savez, le diable va provoquer ce qu'on appelle des brouilleurs de pistes. La piste de Dieu est claire. La piste de Dieu est claire. Mais il y a toujours des choses qui sont là pour vous
perturber, vous distraire. Alléluia. Et c'est ce qui peut nous faire perdre patience. Alléluia. Les distractions. Les personnes qui nous influencent dans le mauvais sens. Les gens qui vous donnent de mauvais conseils. J'ai eu des mauvais conseils. Alléluia. Si je peux encore donner, on reprend ensemble. Hein. Je vais vous dire que la patience, c'est cette aptitude à persévérer dans quelque chose. Sans se décourager. Mais parfois, on peut être testé et céder, alléluia, à l'impatience. Comme je disais tout à l'heure, avec des agents de distraction, de la distraction. Deuxième chose, des personnes qui vous donnent de mauvais conseils. Moi, on m'avait dit à un moment donné, ben, tu peux te marier avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu, et puis vous allez causer, et puis tu vas le convertir. Tu convertis personne, c'est Jésus. Alléluia, c'est Saint-Esprit qui fait. Tu peux parler à quelqu'un, mais c'est le Saint-Esprit. Et il y a des choses à un moment donné qui font à un moment donné de la logique. Si la personne n'est pas en phase avec les mêmes valeurs du royaume de Dieu que toi tu connais, qu'est-ce que vous avez à voir ensemble? On veut aujourd'hui convertir les gens. Et ça concerne beaucoup de sœurs. J'ai vu beaucoup de sœurs. Même moi, j'ai eu cette tentation de voir, alléluia, convertir, entre guillemets. Je dis convertir, mais enjoliver les choses. La personne est en crise, mais si vous n'êtes pas ça, alléluia, ce n'est pas en phase avec ce que toi, tu as déjà reçu. Alléluia. Il y a beaucoup de sœurs qui se disent, je ne veux pas être seule. Donc, elles sont prêtes à tout. Les sœurs dans ce lieu, celles qui sont encore dans le célibat, ne soyez pas prêtes à tout, s'il vous plaît. Vous vous épargnerez des maux, des douleurs, et de perdre même votre salut. Vous vous épargnerez de perdre votre salut. Alléluia. Ça, c'est la patience que Dieu veut produire en vous pour avoir le bon. Alléluia. 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 Jésus, il y a un moment donné, lui-même, il vous a donné le témoignage qu'il n'a pas eu toujours des attitudes agréables en tant que père spirituel. Alléluia. Cette fois a été dure avec moi. J'aurais pu dire, je pars. Mais je suis resté. Parce que, avec qui j'ai fait mon contrat, c'est avec Jésus. Amen. N'oublie jamais cela. Et je veux revenir à Abraham. Je disais que, il y a eu un temps, ce temps justement long. Parce que ça aussi, troisième chose qui peut causer l'impatience, c'est la durée de l'attente. La durée de l'attente. Tu as demandé à Dieu. Dieu t'a dit que tu auras. Tu as entendu la prophétie. Mais au lieu de voir l'aboutissement même, après l'épreuve, les épreuves, tu vois que ça s'enchaîne et que ça devient pire. Parfois, la situation empire, ça aussi, ça peut être une cause d'impatience. Et qui peut amener même le doute. Il y a un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que... Alléluia. Seigneur, tu as parlé, j'avais 25 ans. Ok, là, j'ai déjà monté là. J'ai vu toutes sortes, comment on dit ça encore, on dit ça dans le langage humain, toutes sortes de chapelets sans croix. Envoyez toutes. Envoie un lot, même handicapé, alléluia, envoie toutes, des gens chargés. Et à un moment donné, j'étais en colère, mais je suis passé par la colère. Ici, je ne m'étais pas remis à Dieu, j'aurais même pu développer la colère contre les hommes. Ça aussi, c'est un point qu'on doit aborder aussi les sœurs. Tu peux être fâché contre toute la gente masculine. Et qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui dans ce monde? Eh bien, le diable te poussera vers la femme, le même sexe. Alléluia, Dieu m'a fait grâce, Amen. Dieu m'a parlé, mais je lui ai remis cette colère, je ne peux pas m'enflammer contre l'homme. Je commence à entendre des discours autour de moi, les hommes sont des chiens, ne prononçons jamais ce genre d'expression, non. Tu as pu être déçu par les hommes, mais parce qu'eux-mêmes avaient peut-être une problématique dans leur cœur, et peut-être que toi aussi tu n'as pas toujours fait ce qu'il fallait dans tes relations. Et tout simplement parce que ce n'est pas des relations que Dieu voulait. Amen. Il faut apprendre tout cela pour arriver dans la relation maritale que Dieu veut. Parce qu'on joue à l'amour. On est jeune, on joue à l'amour. Et le monde nous incite à jouer. Alléluia. Tu joues jusqu'à quoi? Être fané. J'en vois qui sont plus jeunes que moi,
mais sont déjà fanés, flétris. Et quand ils me regardent, mais madame, vous ne faites pas votre âge. Patty, tu ne fais pas ton âge. Alléluia. Je dis, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce. Alléluia. L'onction me rajeunit, comme l'aigle de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, toujours s'en remettre à Dieu. Alléluia. On peut passer par, je disais, le doute, toutes sortes de sentiments contraires, mais la parole de Dieu ne change pas. Et vous savez, il y a quelques... C'était, je crois, au début, un an avant le confinement. Il y en a qui ont vu l'artiste, peut-être ce témoignage, de cette grande chanteuse nigériane, et dont les chants sont interprétés, chantés dans tous les pays. On chante ces chants d'adoration. Je parle de Sinach. On parle aussi d'une chanteuse nigériane. Et au travers de son témoignage, j'ai eu une révélation qui m'a réconfortée. Déjà nigériane, parce qu'il y a une partie de mes origines qui viennent du Nigeria aussi, du côté paternel. Donc c'était déjà pour moi un premier signe. Et en plus, c'est une chanteuse qui a grandi dans le même ministère. Et on lui a donné toutes ses prophéties sur son ministère. Depuis sa tendre enfance, elle est restée sous le même ministère. Là aussi, je me suis vue. Et l'âge qu'elle avait quand elle entrait dans le mariage, l'âge qu'elle avait quand elle a enfanté, là encore, le Seigneur m'a parlé. Et on recevait Martine et la soeur qui était avec moi. Vu qu'on est à peu près à la même tranche d'âge, on se parlait, on se disait, mais on est les trois sœurs, on est en service et on n'est pas encore mariés. Alléluia. Et moi, je leur ai dit, moi, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu une dynamite. Il n'y aura plus de doute. Alléluia. Déjà, notre temps n'est pas celui de Dieu. Et on ne se préoccupe pas du regard des hommes qui vous mettent sinon dans une pression. Il y a une pression sociale quand tu as plus de 25, 30 ans qui commence. Ah, tu peux encore aller? Ou bien tous les anciens camarades que tu croises dans la rue, que tu n'as pas vu depuis quelque temps. Alors, comment vas-tu? Marié? Des enfants? Alors, tu n'es pas un nain. Un enfant. Au début, le nom sortait, mais à un moment donné, quand tu passes vraiment, tu descends dans la vallée, le nom de la mort, donc. Non? Alléluia. Tu bébés, il va te faire. Après, le nom, c'est. Ou bien tu es fatigué, tu es triste, on t'invite au restaurant, vous êtes plusieurs. Tu dis, oh, je tiens encore à la chandelle. Arrêtez ça. Il n'y a pas de honte, d'accord? Je sais pas pourquoi beaucoup les couples, mais les gens qui sont dans le célibat ne doivent pas se sentir écartés. Moi, je suis très attention à ça, j'aime l'équilibre. Je déclare l'équilibre, je recherche l'équilibre dans la vie chrétienne. C'est important. Alléluia, alléluia. Équilibre dans le langage, équilibre dans le fort intérieur. Alléluia. Pour être agréable à Dieu, pas être déphasé. Alléluia. Pas être malheureux et frustré. Parce qu'il y a beaucoup de frustrations qui viennent quand on est chrétien. Et qu'il faut rejeter. Qu'il faut donner à Dieu. Ne soyez pas frustré parce que vous êtes célibataire. Je commence à me dire aussi que je vais prendre du temps et à accepter ce célibat et à servir Dieu. Il faut être réjoui. Il faut être dans la réjouissance. Parce que quand le moment viendra, votre mari, j'aurai d'autres obligations, d'autres occupations. Je serai toujours dans la réjouissance, mais il y a aussi des inconvénients. N'oublions jamais, tout ce que nous demandons à Dieu, dans toutes les bénédictions, il y a des avantages, il y a des défis, il y a des inconvénients aussi. Oui ou non? On pense toujours à l'avantage, mais il y a des sacrifices, il y a des inconvénients aussi. Ah oui. Donc, quand Dieu dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, c'est une vérité. Amen. Apprends à te réjouir dans chaque étape, chaque saison que tu traverses dans ta vie. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit moins bonne, tu dois te dire qu'il y a une instruction et que tu dois t'épanouir. Alléluia. Tu dois t'épanouir en Jésus. Peu importe ton âge, peu importe ta situation sociale, financière, accroche-toi à Jésus et épanouis-toi. Je disais, donc, pour revenir à mon encouragement, donc j'ai reçu cette révélation au travers d'Abraham. Je dis, Abraham, Dieu, il y a des personnes qui disent que, ouais, rentrer tard, avant un enfant tard, etc., peu importe, mais il y a toutes sortes de raisonnements humains,
des raisonnements de découragement. Et je disais aux sœurs, si la parole de Dieu est immuable, nous sommes effectivement au 21e siècle, mais cette parole, elle est immuable. Elle a parcouru le temps et elle demeure la vérité. C'est ce que Dieu nous dit. C'est la vérité. Et nous servons un Dieu qui est irréel, surnaturel. Alléluia. Donc s'il a fait pour Abraham, Abraham est rentré tard dans tout ce qui concerne la fécondité, etc. Moi, j'étais plus loin que fécondité. J'ai dit le mariage d'abord. C'est pas à l'envers. Le mariage d'abord, l'enfant après. Alléluia. Il y a eu qui ont eu des accidents de parcours. L'enfant arrive avant, le mariage après. Mais en tout cas, j'ai dit, moi, je veux rentrer dans la bénédiction. Il y a longtemps qu'elle a été promise. Et Habakkuk nous dit quoi? Que c'est une promesse qui accomplit son temps. C'est tarde. Comment tu l'attends? Nous allons voir comment l'attends-tu cette promesse. Parce qu'elle s'accomplira, c'est ce qui est écrit. Donc je dis aux sœurs, voyez, au travers de cette chanteuse, au travers de la parole, moi je saisis pour moi quelle saison qui arrive. Et vous ne savez même pas que je parlais pour moi. Alléluia. La saison arrive, je dis, mais au fait, Seigneur, c'est vrai que tu m'avais. Et les sœurs étaient un petit peu à moitié, elles recevaient, essayaient de proclamer. J'avais l'impression qu'elle n'était pas 100% encore dans la révélation. C'était vraiment chaud pour moi dans mon cœur. C'était chaud bouillant. Je disais, cette sœur, Dieu me parle au travers d'elle et Dieu me parle de sa parole. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé, que ce soit pour la réconciliation dans ta famille, qu'il s'agisse d'un déblocage d'un dossier, alléluia, sur le plan administratif, qu'il s'agisse d'un emploi, alléluia. Peu importe, alléluia, ce que tu as demandé à Dieu, il y a un temps fixé et Dieu accomplira sa parole. Dieu accomplira. Si cette promesse tarde, attends-la comment? Comme tu es assis là avec moi ce matin. Sois fidèle à ton assemblée. Ça, c'est un prix. Hein. Voyez, Bishop a relevé, ça c'est vrai. Les choristes, ceux qui sont là dans leur groupe, vous connaissez déjà. Hein. Un 31 décembre, on vient chanter, on sort à 2h, 3h du matin, le culte leur demande, on est là à l'heure. On est là même avant l'heure, vous l'avez fait, c'est ça. On est fidèle, on est assidu au temps. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Hein. Bishop est joyeux, il est heureux quand vous accomplissez ces choses, mais vous travaillez à votre salut. Parce que disciple de Christ, donc disciple, on entend discipline aussi. La discipline nous fait peur. C'est un peu historique. C'est comme si nous avons peur d'être embarqués sous un joug, d'être comme des bœufs qu'on tire, des ânes. Allez, on va à l'abattoir. Non. La discipline t'emmène quelque part. Elle t'emmène pour que tu fasses la distinction. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit? Que la création attend avec un ardent désir. Alléluia. La révélation des fils de Dieu. Il faut que toi et moi, nous fassions la différence. C'est pas en nous énorgueillant, en ayant une attitude qu'on est arrivé, qu'on vaut plus que l'autre. Non, c'est pas ça. Ça dépend de la simplicité, certes, mais tu sais que tu as une vie disciplinée. Hein? Il y en a qui sont pas en Christ, mais ils ont une vie disciplinée dans la prière. Du chemin, on en a parlé hier. Ils se lèvent à une heure pour prier. Ils ont leur pensée sur Dieu. Tout ce que tu fais, c'est avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, pas sans Dieu. Amen. Dans ta famille, tu communiques. Hein, ceux qui ont des enfants, vous communiquez avec eux. Moi, les conseils que maman m'a donnés, enfant, ils m'ont été bénéfiques. L'Esprit de Dieu était déjà là. Je me rappelle avant d'arriver dans ce type d'église évangélique, même dans l'église catholique, j'étais assidue le dimanche. C'est un devoir parce que je me rappelle qu'à un moment donné, on devait travailler sur rechercher à servir Dieu dans un domaine précis dans l'église. Alléluia. Et qu'on devait être assidu le dimanche. Assidu. Alléluia. Il faut communiquer les bonnes valeurs dans ta famille. Et même ça, il faut persévérer. Même dans la famille, même si tu passes pour un vilain petit canard, ce n'est pas grave. Il est un temps favorable. Il y a un temps favorable, bien-aimé. Il y a un temps favorable pour venir te chercher, pour demander conseil, la prière. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur parce que même mon mariage, j'ai vu des choses encore se déclencher. Alléluia. Je sais que ce n'est que le début. Amen. Alléluia.
Alléluia. Mais il a fallu attendre. Il a fallu persévérer. Et persévérer, c'est une attitude de cœur, mais c'est aussi dans la prière. Te réfugier dans les bras du Seigneur et Sauveur, dans la prière, la louange, l'adoration, chercher à servir Dieu. Il y a une chose que j'ai comprise, parce que le monde, dans le monde, on le dit, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Quand tu ne fais rien, tu sais, à la paresse, à l'abattement, à la déprime, c'est la mère de tous les vices. Quand tu es occupé aux choses de Dieu, ton esprit demeure dans la pensée de Dieu, ton esprit demeure dans les choses, alléluia, du royaume de Dieu, tu travailles à l'avancement de Dieu. Alléluia, à l'avancement de son œuvre. Amen. Tu es occupé sainement. Et pendant ce temps-là, le Seigneur te fortifie. Quand nous étions ensemble hier soir, c'est un lien ou non? Même les agapés, ces choses nous permettent de communier ensemble. On commence à échanger des fois des témoignages, des louanges. Je dis des louanges, c'est-à-dire des. C'est pas seulement le chanter, c'est parler de ce que Dieu a fait. Des actions de grâce, nous les échangeons et nous sommes en train de nous consolider les uns les autres. Ça, ça a contribué à persévérer. Il y a eu des coups, d'autres coups en même temps. Hein. Tu vois, là, je vous parle là, sur l'aspect sentimental, mais pendant que tu sers Dieu, il y a aussi d'autres coups qui arrivent. Là, je vous ai parlé d'une promesse. Mais en même temps, il y avait d'autres vents qui soufflaient. Il fallait tenir bon. Il fallait tenir bon, mes amis. On voit des gens qui te délaissent, on voit des gens qui te délaissent. Tu te fais des fois cataloguer, critiquer, calomnier. Et ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il a dit que lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même à son égard ses ennemis. Ça, c'est une parole qui m'a accompagné aussi. Et j'ai vu encore, j'ai vu la main de Dieu. Vous voyez des personnes qui étaient un peu en danse, je pars sur le plan émotionnel, sentimental par rapport à vous, et qui vous affectionnent. Dieu change leur cœur. Alléluia. Ils vous affectionnent. Ils sont prêts à dépenser même pour vous. Moi, je l'ai vu. Alléluia. Ils vous encouragent. Ils vous motivent même. Tu dis, ah Seigneur, tu es trop fort. Alléluia. Si tu es même persécuté dans ton travail, tu vois que ça dure. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Parfois, il faut tendre la joue. Regardez. Alléluia. Il faut tendre la joue. Il faut tendre. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut parler. Il faut garder le sens. Moi, le Seigneur m'a souvent fait garder le silence. Je garde silence. Et j'attends, Seigneur, que toi, tu interviennes. Il va falloir des fois peut-être pleurer. Il va falloir descendre très, très bas. Mais le Seigneur, il va relever et élever bien haut. En son temps. En son temps. Résister à maudire, résister à maltraiter ceux qui vous maltraitent, c'est ce que dit la parole. Hein. Bénissez, ne maudissez pas, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Mais prier, ce n'est pas demander des choses mauvaises. Amen. C'est dire, Seigneur, change son cœur. Cette personne me maltraite, vous savez, le plus souvent, les personnes qui vous maltraitent ont des choses à l'émulation, qu'elles ont été évacuées dans leur cœur. Parfois, c'est même un cri d'alerte, un cri, un appel au secours. Et nous, on se sent victime. Sort de la victimisation aussi. Alléluia. C'est un enseignement d'amour que Dieu, dans lequel Dieu veut te conduire aussi. Alléluia. La patience, l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le Seigneur va nous fortifier. Au fur et à mesure, chaque fois que nous allons passer par ce cycle de situations difficiles, et que nous allons nous remettre à lui, que nous allons veiller sur notre cœur, veiller à garder courage en lui. Alléluia, nous occuper de ses affaires et en ayant cette ferme conviction et assurance qui s'occupera des nôtres aussi. Dieu accorde la délivrance. Dieu fait de nous des hommes, des femmes et des jeunes gens meilleurs.
Vous savez, quelqu'un qui a été pressé, n'est plus le même. Ton regard sur les choses change. Alléluia, tu es plus docile, tu es plus malléable entre les mains du Seigneur. Il y a des choses qui nous semblaient des fois, quand je dis importantes, qui nous tenaient à cœur, pour lesquelles des fois on était agités ou embêtés. Dieu va faire qu'on lâche prise. C'est plus nous traversons des situations difficiles et plus nous réalisons que nous devons développer la patience qui produira cette force nouvelle en nous. Amen. Qui transformera, je crois, une transformation ce matin que la sœur Elisabeth priait. Il va nous transformer ainsi aussi. Il transforme notre caractère. Alléluia. Il augmente notre confiance en lui. C'est notre foi même qui grandit. Alléluia. Nous devenons plus humbles. Amen. L'humilité précède la gloire. Humilie-toi, humiliez-vous, c'est ce que dit la parole de Dieu, sous la main puissante de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Alléluia. C'est mon encouragement pour chacun de nous ce matin. Soyons patients. Même au travers de ce que, même face à ce que nous voyons se produire dans ce monde, restons dans la parole de Dieu. Il y a eu ces dernières années un vent de panique, un vent de confusion au travers de cette pandémie. J'ai vu des chrétiens chauds bouillants. Est-ce que vous avez réalisé ça? Pendant la pandémie, confinée, tout le monde était chaud bouillant. Une fois qu'on a dit déconfinement. Amen. Déconfinement, tout le monde a été déboussolé. Nous, non. J'ai vu qu'il y a une ferveur qui est tombée. Alléluia. Mais nous sommes dans les temps de reconstruction. Nous sommes dans les temps de consolidation. Amen. Nous sommes dans une saison nouvelle. Il faut que quelqu'un dise avec moi, saison nouvelle. Amen. Il y a une nouvelle saison pour ma vie. Amen. Il y a une saison de prospérité pour ma vie. Il y a une saison de restauration qui m'est réservée. Alléluia. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Je la saisis maintenant. Je la saisis ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une saison de victoire. Il y a une saison nouvelle pour l'Église à CRJC. Est-ce que vous la voyez cette saison? Une saison de fraîcheur. Une saison de consolidation. Une saison, je dis, de feu sur chaque cœur de nous. Je déclare depuis sur les enfants jusqu'aux adultes les plus âgés. Alléluia. Nous déclarons une saison de feu. Feu dans l'esprit. De ferveur au nom de Jésus. Alléluia. D'affermissement. Amen. Nos pieds seront consolidés sur le roc. Le vent va souffler. C'est ce que Dieu veut de nous. Amen. Le vent peut souffler, mais tu restes fondé, debout, positionné sur le roc est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vent peut vanter, pieds vont plier, mais il n'y a pas qu'à déraciner, il n'y a pas qu'à casser. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Le vent va souffler. C'est le moment où nous devons approfondir nos racines dans la parole du Seigneur. Alléluia. Je déclare pour nous tous que nous serons encore plus patients. Amen. Patients dans les promesses. Il faut atteindre un niveau où le vent souffle de toutes sortes de manières et toi tu réalises, mais il a soufflé ce vent. Seigneur, je retourne dans ce que tu as dit. Ce que tu dis s'accomplit. Alléluia. Et dans ta parole, il est écrit de prier sans relâche. De faire le bien aussi sans relâche. Parce que Dieu va nous regarder là aussi. Faire le bien, surmonter le mal par le bien. Et cela sans relâche. Il y a une récompense. Dieu rémunère ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Tu sers Dieu de tout ton cœur, il y a une récompense. Fais le bien. Travaille dans le monde, fais le bien. Alléluia. Bien-aimés, des fois, nous ne réalisons pas les personnes qui nous entourent et qui nous regardent. Nous, si nous nous acquittons avec l'aide de Dieu de faire ce que nous avons à faire, au temps convenable, l'Esprit de Dieu va passer au travers de nous et impacter ces gens. Amen. Moi, j'ai vu des gens se réveiller des années après. J'ai dit, oh! Amen. Je ne savais pas que Dieu avait mis tout ça en toi.
dit, bah oui, mais toi, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela, je t'ai vu faire, je ne t'ai vu pas faire, mais cela m'a fait du bien. Amen. Et du coup, vous voyez déjà des chrétiens en formation autour de vous. Alléluia. Vous voyez des disciples en formation. Vous n'avez pas dit grand-chose, parfois rien du tout. C'est l'attitude qui va parler. C'est l'attitude qui va donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, soyons persévérants. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, donc, je vais mettre un petit mot sur la patience. Vous voyez, surtout les conséquences du manque de patience. Quand on manque de patience, on dévie du plan de Dieu. On embrouille sa vie. Ça a manqué de patience. Parce que l'enfant n'arrivait pas. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est elle-même qui a envoyé son mari dans les bras d'une esclave. Vous voyez, l'esclavage, ce n'est pas seulement une situation juridique, c'est aussi une mentalité. Il y en a qui ont la mentalité d'esclave, la mentalité de la pauvreté. Mais il n'y a pas longtemps, je suis allé à Bruxelles. Il y a 3 jours, 4 jours avec Jennifer. Et je voulais la faire visiter les quartiers Matongé, un quartier africain, spécifiquement congolais, qui est à Bruxelles. Nous sommes allés. On a vu un salon des cheveux. Vous voyez là, on prend les cheveux là. On vend les cheveux. Plein d'Africains dedans en train d'acheter. Et ça va appartenir qui à un Pakistanais. Qui encaisse les sous, un Pakistanais. Qui achète les Africains. Je dis, Seigneur, est-ce que nos propres cheveux, il faut qu'on les vende. Ah, je dis, on continue de pas voir. On va à un genre de supermarché. Là, c'est là. C'est les ongleries, là où on rajoute les ongles. Hein, on colle les ongles, on coiffe, on rentre. J'ai même filmé qui colle les ongles aux négresses des Chinois. Ils collent les ongles, elles sont là. Les Chinois encaissent, la négresse dépense. Je dis, mais mon Dieu, quelle mentalité nous sommes. Est-ce que nous ne sommes pas capables de nous-mêmes de nous prendre la main jusqu'à nos affaires à nous-mêmes? Donc là, notre argent va dans d'autres communautés. Et ces gens-là, je ne dis pas que tous les gens sont des racistes, mais si vous voyez ce que vivent les Africains en Chine, un Africain peut faire 3 heures dehors pour prendre un taxi. Les taxis passent. Et les taximens disent qu'ils sont mauvais. Oui. Et il y a. Mais pour encaisser là, l'homme noir n'est pas bon, mais son argent est bon. Vous voyez, c'est une mentalité. Je dis, mais il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on quitte la mentalité du consommateur, qu'on devienne producteur. Qu'on essaye de produire quelque chose. Mais le pire, un Africain viendra là, un noir ou un afro viendra ouvrir un petit salon de anglerie ou de coiffure dans l'endroit, tous les afros iront chez les Chinois. Et l'afro va fermer. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec mon unité de raisonnement? Moi, je ne veux pas qu'on soit sous-développé. Même les pays comme les Corées se développent, les gens montent, mais nous on fait que des ans. Parce que nous passons hier. C'est, comme je dis, l'esclavage, c'est aussi une mentalité. Agar avait la mentalité d'esclave. La preuve, Sarah lui a donné la place de reine. Son lit conjugal.
mais la mentalité d'esclave et Agar, au lieu d'être reconnaissante, au lieu d'honorer Sarah, elle a commencé à mépriser Sarah. Elle a commencé à snober Sarah, jusqu'à blesser Sarah. Et Sarah a été déçue. La déesse esclave là, elle méprise. Est-ce que, et vous êtes jamais arrivé de rencontrer des chrétiens comme ça? Comme des Agar. Yoka va y manger, yoka aider, et demain, il te crache dessus. Vous voyez, c'est la mentalité d'esclave. Quelqu'un qui a du sang royal, c'est quelqu'un qui est reconnaissant, qui est loyal et qui reste fidèle. Amen. Amen. L'impatience de Sarah a poussé Sarah à mal conseiller son mari. L'impatience te pousse à te marier avec un voyou. L'impatience te pousse à dire je veux le convertir. L'impatience te pousse, tu sais que cette personne-là ne craint pas Dieu, mais tu acceptes l'invitation, vous allez manger ensemble. Tu sais que cet homme-là cherche à te manger. Il veut te manger. Il te donne comme quelqu'un qui élève une vache. Il n'y a pas de vache à manger pour manger la vache bien. Pour bien manger une vache, vous en êtes là. Alors lui, pour manger, il a mené au McDonald's, manger un burger, il faut qu'il paye la nature. Et toi, tu es chrétien. Tu sens que la personne, ce n'est pas pour de beaux yeux que pour l'amour de Dieu qui t'aide, mais l'aide tout derrière. Il faut refuser. Mais l'impatience nous pousse à le compromis. On cède à l'ennemi. On dit peut-être que tu as un genre comme ça. Voilà. Vous voyez, Agar a donné un bon raisonnement. Il a dit, mais je ne contredis pas Dieu. Dieu a réellement dit ça, j'ai entendu. Dieu a réellement dit que nous aurons un enfant. C'est vrai, mais c'est possible que l'enfant vienne par Agar, mon esclave. Vous savez, déjà, tu as un très beau raisonnement. Faites attention avec des raisonnements logiques. Il y a des raisonnements qui sont logiques, mais qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Amen. 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 Et Dieu qui reste à la maison. Je n'ai pas abandonné le Seigneur, je vis toujours. Mais est-ce que tu es dans l'obéissance? Tu es là où Dieu te veut? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? C'est ça le problème. Alléluia. Donc faisons attention avec le manque de patience. Le manque de patience nous amène à pécher. Agis dans la chair. Regardez Moïse. Moïse, il est allé tuer un Égyptien. Manque de patience. Il croyait qu'il était prêt. Il était prêt. Il pensait qu'il était prêt. Vous savez, surtout chez nous, notre culture, j'ai remarqué, nous sommes très prétentieux. Il y a des gens, tu n'as pas la délivrance aujourd'hui. Même pas un an après, il connaît mieux que toi. Tu n'as pas la Bible aujourd'hui et il vient te corriger. On est très, très, très prétentieux. On doit rester humble dans les choses de Dieu. Alléluia. Vous devez rester humble parce que Dieu révèle des grandes choses aux petits enfants. Il les cache aux sages, aux gens qui sont prétentieux, qui croient connaître, mais il révèle ses secrets aux petits enfants. Aux gens qui sont comme des enfants qui disent Seigneur, je ne connais pas grand chose, apprends-moi. Alléluia. On va se lever pour prier. C'est que chaque personne ici a eu une promesse de Dieu. Chaque personne ici a une promesse pour sa vie. Alléluia, ma parole. Tu as une promesse, non? Voilà. Chaque personne ici a une promesse. Et aujourd'hui, je voudrais prophétiser pour toi. Permettez-moi de rentrer en transe.
Comme ça, tu vas voir ma prophétie. Hein. Et j'ai un témoignage de cinéma, il faut le faire. Celle que Dieu t'a promis, il la accomplira. Amen. Amen. Jésus, il la accomplira. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le monde et les démons et les hommes ne sont pas assez forts pour arrêter le bloc de Dieu dans la vie. Il n'y a que toi seul qui peux dire, Seigneur, non, arrête là. Là, il va arrêter. Alors, si tu es arrivé de douter un peu, si tu es arrivé un peu de désespérer, aujourd'hui, dis, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis découragé. Je commençais à douter. Mais je sais que tu ne passes pas seulement. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ta parole reste la vérité. Cet esprit aide-nous, cet esprit, à croire toujours. Cet esprit aide-nous à fortifier notre foi, à demeurer dans la louange, à demeurer dans la foi. Aide-nous à résister aux mauvais raisonnements et aux mauvais conseils. Kora, Shidi, Baba. Si tu parles la langue, tu peux parler la langue aujourd'hui. Kori, Baba, Shido, Baba. Sakabana, Yodoro, Kaba, Yata, Baba, Yata. Kori, Yata, Baba, 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 Baba. Koro baba shika baba yoto koria baba yada baba. Oria baba baba baba. Le Seigneur te dit décharge tes fardeaux, tes soucis à ses pieds et fais-lui confiance. Il y a des gens qui ont un problème. Tu as reçu une promesse que Dieu va résoudre ce problème. Mais tu portes ton problème comme un fardeau toujours dans ton cœur. Et cela empêche à Dieu d'agir. Tu poses ce fardeau, dis Seigneur, tu m'as promis que tu vas intervenir. Alors, je m'inquiète plus pour ça. Je ne pense plus à ça. Je ne doute plus pour ça. Je te rends grâce. Amen. Alors. Je vais vous donner un secret que Dieu m'a donné. Écoutez bien. Un secret que le Saint-Esprit m'a donné. Si vous l'appliquez dans votre vie, vous serez béni. Il faudrait des fardeaux, une facture, problème de santé. Et puis, Dieu t'a dit dans sa parole ou une conviction profonde que cela est résolu. Mais dans la journée, dans la semaine, des fois, le souci remonte dans la tête. Parce que vous pensez à votre facture. Moi, cela m'est arrivé. J'avais des factures. Je pensais tout le temps cela. Mais j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te confie mon fardeau. Mais ça n'empêche de voir en train de me sortir, de me réveiller le matin, cela vient. Je pense que cela gâche ma journée. J'ai dit, mais Seigneur, aide-moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais te donner un travail. Chaque fois que tu penses à ton souci ou à ton problème, rends grâce à Dieu. Alors là, chaque fois que la facture est venue, je dis, Seigneur, merci parce que tu as payé la facture. Chaque fois que le diable est venu me rappeler ma santé, je disais, Seigneur, merci parce que par tes bénédictions, je suis guéri. Et pour moi, le diable est découragé. Chaque fois qu'il te rappelle ton problème, tu glorifies Dieu. Mais comme il n'est pas que tu glorifies Dieu, il va plus rien te rappeler. Applaudissez le Seigneur. Allez. Parce que je veux vous dire, parfois tu veux ne plus passer, mais ça remonte. Comment faire? Transforme le souci en action de grâce. Transforme ce souci qui vient pour te détruire, tu le transformes en action de grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Ta parole s'accomplira dans la vie de ta servante, dans la vie de ton serviteur.
dans la vie de ta fille, de ton fils, ta parole s'accomplira. Aïe, Alléluia. Il y a des gens qui doivent confesser certains péchés. Si tu as commis un péché dans ta vie, fais confiance à Dieu, demande à Dieu pardon, une vraie repentance. Si cela est trop lourd pour toi, tu n'arrives pas à retrouver la paix malgré la confession, viens me voir. Viens voir un vrai serviteur de Dieu pour qu'il prie pour toi. Et voilà, la culpabilité vous empêche de vous libérer. Merci Seigneur pour ta fidélité. Dis un peu, merci Seigneur pour ta fidélité. Le ciel et la terre passeront. Mais ta parole ne passera jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. On n'est pas arrivé à la fin. Mais on va donner au Seigneur notre équipe et notre mouvement. Passons un moment vraiment difficile pour le réduire avec votre équipe. Il faut jamais oublier ça parce que nous avons une facture lourde pour la salle. C'est parce que vous donnez votre vie et votre foi que nous arrivons à bénir. Et puis il y a des gens qui doivent chercher une salle à Créteil. Si vous avez le temps, cherchez une salle à Créteil. Nous sommes, on n'entend pas. Il y a un problème pour chercher. La mère en Guadeloupe, il a dit, cherchez une salle, un enfant. Il dit, je sens qu'il faut qu'on cherche une autre salle. Ils n'ont pas cherché. Et on a passé des temps difficiles. On a passé des temps, on a fait des cultes dans une salle où il y avait des fils électriques qui traînaient partout. Nous avons construit un lieu pour couper la salle. On a passé des temps difficiles. Je leur ai dit, je vous avais dit quoi? Quand je sens quelque chose, le Seigneur m'a averti. Je sens qu'il faut que chacun de vous, votre temps libre, allez sur Internet, local à louer, bien placé, Créteil, ou bien chercher. Parce que ce local est des fois plus cher. On paye 4 000 alors que ça peut valoir 2 000. Si vous allez ailleurs, vous tapez local à louer, 200 mètres carrés. Vous allez voir que le prix c'est 2007. Le maximum c'est 3000. Alléluia. Moi je cherchais. Là je vous ai dit quoi tu veux. On paye un local et puis ces gens savent que d'après la loi, ils doivent respecter les prix par zone. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé les prix 2000 et puis ils ont mis un calcul de charges bidon. C'est-à-dire qu'on paye, on loue un local 2 000 euros, les charges c'est 2 000 euros. T'as déjà vu les charges d'un local et les gars du prix du local lui-même. Pourquoi? Parce que, vous voyez tout ce bâtiment-là, en haut, en bas, partout, ils chauffent tous les bâtiments. Et puis, la dépense qu'ils font, ils divisent par le nombre des gens qui louent. C'est-à-dire que nous louons cette salle-là. Mais nous payons le chauffage d'en bas, nous payons le chauffage et tous les espaces sont vides là. C'est une manière de faire les choses qui est à leur avantage. Et la salle est extrêmement trop chère. Mais lorsque nous en position, cherchons. Et de quoi cherche. Tu trouves un local qui est intéressant. Tu appelles. Tu dis écoutez, je suis. Une association, une église, une association locale, tu perds les visites même pour moi. Tu m'appelles, tu me formes, tu filmes pour moi et tu m'envoies avec moi. Ça me filme rapidement aujourd'hui et tu m'envoies. Si chacun de nous cherche, dans le temps, tu m'envoies trouver un local. Amen. Mais on ne peut pas donner 2000 euros à des païens tout le temps. Dieu nous bénit quand même, soyons quand même, ça, je ne sais pas, jeter l'argent par la fenêtre. Alléluia. Imaginez-vous 2000 euros chaque mois au moins dans une compte. Dans un an, c'est 24 000. Maintenant, c'est 5 000. Dieu nous fait par 12, 24 000. Mettons, avant 12 ans, c'est 5 000. Dans 4 ans, c'est 100 000.
avec 100 000 euros dans 4 ans, mettons 5 ans ou 6 ans, on a 150 000. Avec 150 000 dans le compte, vous lâchez un local comme ça, vous allez vous laver cash. C'est-à-dire, si tu parles de bouquet, on a 150 000, on a 30%, on va acheter un local qui vaut 700 000. On vous donne ça. Et le jour où on achète, les frais de remboursement, ce ne sera même pas 4 000, ce sera 1 000 euros, 500 euros. Imaginez-vous combien on est perdu. En Guadeloupe, on a loué une salle pendant 15 ans. On a acheté trois fois la salle. Coucou. Parce que des fois, Dieu nous donne la sagesse. Il ne suffit pas que de prier. Il faut être sage et réfléchir. Le sage bâtit, la sagesse bâtit sa maison. La prière attire l'onction, mais la prière ne bâtit pas une maison. C'est la sagesse qui bâtit la maison. Lorsque tu pries, tu donnes la sagesse. Et cette sagesse-là va t'aider à bâtir maintenant. Mais quand tu pries, on prie toute la journée. Et la sagesse est là, on va faire rien. Oh. Amen. Amen. Nous allons prier, cherchons. Parce que moi, je veux qu'on achète notre local, on achète un point de goût, et là maintenant, on va attaquer votre défi. Amen. Je ne veux pas prendre de l'argent aux païens qui vont avoir 2 000 euros de plus, ça peut servir à payer le secrétaire ici à temps plein, ou deux personnes qui travaillent à temps partiel ici, et deux personnes qui travaillent. On peut créer même du travail ici, beaucoup. Amen. Alors, laisse donner ta dîme. Avec un grand sourire, s'il vous plaît, je ne vais pas voir quelqu'un mettre sa dîme avec l'arme, parce que c'est ça. Alléluia. Et puis, tu viens aussi mettre ton offrande. Alléluia.